deuxième partie, deuxième session sur le jeu. Écoutez, on venait d'avoir une maîtresse d'école assez particulière, hein. Et on était revenu dans l'hall. Du coup, bah let's go, c'est reparti. Pourquoi ça a fait tic-tic? Ça me stresse un peu. Ok, ça a dû ouvrir une porte du coup, hein. Ah, mais on avait la clé de ça, non? Je crois bien. J'avais pas la clé? Il semblait avoir eu la clé. J'ai chopé une clé, non? Il semble que j'ai chopé une clé. On a pas eu une clé? Non, je l'avais pas. Ok. Merci beaucoup. Écoute, on va trouver une solution. Pas par là, hop, on est reparti. De toute façon, j'ai chaud par contre. Je ne sais pas comment se fait, mais j'ai chaud. 4 millions de degrés. J'ai un peu trop mis le chauffage en fait. Ça l'histoire. Le jeu de l'angoisse. Ben. Bah. C'est chaud, je connais quoi, c'est un escalier. Le remettre. Voilà. Très bien. Non, non, remets-le. Voilà. Et pousse. Ah, peut-être qu'on va pousser en ayant le chapeau. Oh non. Tiens, rien de spécial à faire. On va juste sauter de là et ça ira très bien. I think. Vous êtes prêts? Voilà. Les échecs! Oh là! The Grandmaster! personne. Oh là! Ok! Tac tac! Donc il me dit c'est quel type de pièce, ok? Une tour, etc. Alright! Donc ça, on va avoir le chapeau, j'imagine, en poussant. Ah, d'accord, voilà. Très bien, très bien. Bon, bah, c'est parti. Ça, c'est le fou, non? C'est ça, hein. C'est le fou. Donc, je vais aller caler le fou, là. Oh, mais il est attaché! Ça, l'histoire? Il me faut aussi... mais du coup, on a plus de tour. C'est dommage. C'est pas là-haut, la tour, on dirait? Je vais voir. Ça va? Il passe pas un mauvais moment. T'as vu mon chapeau David Croquette? C'est trop bien. Ah, est-ce qu'on peut récupérer? Ah bah si, parce qu'on a ouvert la porte, donc on peut la récupérer. C'est pour ça que c'est dévissable, vissable. Ce jeu est parfait en termes de level design, je trouve. C'est trop bien fait. Tout est si bien pensé. De toute façon, je suis amoureuse du jeu. Donc... Vous l'aurez compris. Oh, mais si on fait ça, on peut récupérer le... Oh là là! Amazing. Donc on enlève ça. Hop. On prend ça. Hop. On saute dessus. Voilà. On prend ça. Merveilleux. J'ai peur de m'approcher du bonhomme au milieu quand même. Ils sont à tendance avec les échecs. Il y a eu une reprise d'échecs depuis qu'il y a eu la série là sur Netflix. Assez impressionnante. Je sais plus c'est quoi les stats, mais c'est un truc de fou. En vrai. Ah. Bon, attendez, ça a mis la lumière. Ok. Faut peut-être que j'aille là-haut quand même. Allez, monte. Voilà, ça c'est fait. Please, the description received.
Merci Sud pour ton 26e mois. Peut-être qu'il faut la dernière ici, hein. Est-ce qu'on a une autre pièce? Merci beaucoup à Sud. Excuse-moi gros. J'aurais besoin que tu t'enlèves. Ne me dites rien, on va chercher. Ah, attendez! Il y avait une autre pièce là-bas. Non, c'était juste un pion. Je suis assez déçue. Je m'attends à ce que ce soit une autre. J'ai bien mis les bons trucs. Oui. Et là. Là. Et ça. Ah, faut déplacer cette pièce. Faut pousser ça, non? Ah, peut-être pas. Non, on peut pas la déplacer. Elle est censée se déplacer quand... C'est cette pièce qui me pose problème. Oh là, mais attendez, ça souffle, ça. Et en même temps, il y a eu un unlock. On l'a bien vu. En tout cas, ça roule. Ça se voit. J'ai vu ça, ça. Attendez, là, on peut marcher sur ça, peut-être. Ça fait rien. J'ai réussi au niveau des cases. Mais d'avis que c'est une histoire de cases. Ouais. Ouais, on n'est absolument pas comme prévu, de toute façon, là, en termes de cases. Alors, je sais pas si c'est voulu. Je peux pas pousser, en tout cas. Est-ce que je peux pousser sans? Non, je peux pas. Et ça fait un cloc-cloc. Alors, est-ce que je l'ai fait dans le bon sens, finalement? Je pense que oui. Oh, là-bas, non? Ça s'enlève, ça, non? On aurait dit. Vas-y, je refais pour voir. On va voir si ça fait un bruit si je mets ailleurs. Ça fait pas de bruit si je mets ailleurs. Donc c'est bien la bonne combinaison. Clac clac. Mais où? Où est-ce que ça fait clac clac? Ah, peut-être en bas? Non, quand même pas. Si? On va voir. Toi, hein. Ah mais en bas, ça va être la clé. Faut pas dans le miracle, quand même. Et l'autre côté, c'est quoi? On va voir. On explore. Voilà. Encore un enfant perdu. De l'autre côté, on peut rien faire. Donc c'est ok. Mais c'est dans l'autre pièce, c'est certain. Et ça déclenche un mécanisme. On l'a entendu. Il faut trouver ce mécanisme. Salut mes lumières. Peut-être qu'il y a une des lumières où on peut faire un truc. On ne voit rien. Pas rendu. Ça a allumé la lumière là. Disons qu'il y a quelque chose à faire là. Si on réfléchit. Ce tableau. Ah! Ouh! Oh là! C'était logique. C'était totalement logique. Parfait. Hop, je fais juste un truc 3 secondes, les gens. Sur le tab. Parce que même si. Moubot a fait son travail. Hop. Le petit lien de promotion de je ne sais quoi. Ça n'a pas sa place. On a la clé du coup. C'était l'exemple type de ce que je disais, que les gens peuvent mettre des liens vers des trucs, des hacks, des machins. Est-ce qu'on parlait l'autre jour de pourquoi faut passer le lien en mono? Aïe! On a la clé! Eh! Hey, 10 minutes in-game, on a eu une clé.
Nouvelle. Putain, la transition m'a fait peur. C'est dommage que ce jeu fasse peur. En vrai. Quand on y pense, c'est la cantine ici. Il va peut-être falloir sortir là. Est-ce qu'éventuellement. Ouais. Russe. J'ai pas hâte d'arriver à la phase des mannequins qu'on avait déjà faite du coup hein, en preview. Qui était bien tendue, hein, même quand tu la connais, je pense que ça reste l'enfer. Je pense que faut choper la louche. Hop. Ok, vas-y. Viens. Merde, je l'ai raté. Oh, c'est trop chaud à viser. C'est trop chaud. Je vais arriver. Pas de soucis. Il me semble qu'on pouvait taper des esquives aussi. Ouais, là j'ai fait vite pourtant. Oh, ça va être trop lourd. Let's go! Au moins ça fait pas peur. C'est juste qu'il faut les enchaîner. Je crois qu'il y en a trois des mecs. Qu'est-ce que je vois là? J'ai pas le temps. Faut que je fasse vite, hein. Let's go! Ça m'est trop lourd. Quelle aventure. Vous êtes prêts pour le tryhard? Ah, oh, ça va passer. Le premier est le plus... finalement le plus... Je vais vraiment taper direct. Oh. No luck. Faut les enchaîner, hein. Une fois qu'on aura fait les trois, écoutez, la vie sera belle. Yeah. Quatre en fait. Est-ce que du coup faut repasser ou est-ce qu'on a une save? Oh, on a pas de save, je crois. Oh, ça va être relou comme passage. Oh mon dieu. Ça devrait toucher ça. Les bugs devraient être plus grands quand même un peu, non? C'est tellement dur de se mettre dans le bon sens. Là, les meilleurs là-dedans. Ok. Et là, je suis censée enchaîner. La louche. Mais c'est pas possible du coup, enfin il ouvre la porte que quand j'ai pas la louche. Faut trouver une solution. Oh, ils auraient pu mettre une save au moment où on a pris la louche et on l'a réussi. Hein. Parce que... Bon, au moins maintenant on y arrive bien.
Alors, est-ce qu'il faut pas ne pas passer par là? Peut-être juste faim, ces pauvres enfants. Parce que là, dès que je sors, une butte. Donc il n'y a pas... Il n'y a pas, quoi. Et je peux pas juste pousser. Ça sort direct, en fait, le bonhomme. Là, il veut pas... C'est pour ça qu'on pouvait pas casser la tête. Oh, le bruit. Mon Dieu, les petits monstres. On a trouvé, en tout cas. C'est bien toi, MC Chat, qui voulait... Ah, ok, c'est fait exprès. C'est bien toi, MC Chat, qui voulait qu'on continue le jeu, non? Ah, et du coup, il y a une save quand on prend la tête. C'était bien fait, en fait. Il y a beaucoup trop pour les tuer à la louche, là, ouais. Oui, ah, parfait, alors. Je suis quand même que s'il soit là, que tu peux retrouver le début. Je pense que c'est fait exprès, si on glisse sur le truc, ça fait qu'on perd aussi. Quelqu'un est en train d'étouffer quelqu'un dans la truc dessous. Ok, alors hop. Ah, c'est full piège en fait. C'est ça l'idée. Oh là là, mais ils sont violents entre les enfants. Hein? Ça me fait rire. Ok. Bonne chose de faite. Pas du tout. Ah, j'ai pas vu. C'est possible. Personne ne prend pas le verre. Je comprends pas. Non, parce que pour moi, il faut balancer un truc sur le bouton, hein. Obviously. Ah, peut-être pas. Non, si, c'est ça. Prends les morceaux de verre, là. Fais quelque chose. Je peux monter ici. Je me rappelle qu'on doit sauver Brandon quand même dans l'histoire. On a beau se prendre pour Assassin's Creed.
Non, si je refais tomber du verre, il y a l'autre qui va arriver. Ok, vous êtes prêts? Lilith. Oh. C'est relote. C'est relote. C'est relote folle. Pas elle. Grave. Salut les puces! Je suis sûre que j'ai pas le temps, mais j'y vais quand même. Faut qu'elle revienne, hein! On va attendre de voir si elle revient, hein! Ah, allô? Madame? Il y a Denis qui copie! Elle a l'air d'être partie pour toujours, hein. Le stress. Ils ont même plus besoin de la faire faire des trucs chelous. On est stressé de base avec elle. Elle veut pas faire autre chose là? Parce que là je dois monter là et là. Ça me semble chaud. Du coup, faut passer au-dessus. Oh mon dieu. Je pense qu'il faut passer au-dessus. Hein. C'est quoi elle? C'est un monstre. Écoute. Je pense que j'ai tempo. Je pense au tempo à chaque fois. Salut Chris. J'ai couru, j'aurais pas dû courir. On l'avait. On y était. Bon là ça va, c'est juste du timing, tranquille. À chaque fois on a le temps. Faut juste pas la jouer trop rapide. And that's it.
Là, on attend qu'elle aille écrire. Bon, j'avais peut-être le temps, mais bon. Fallait que j'aille plus lentement encore, j'aurais dû rester en fait accroupi. Faut que je reste accroupi sur le dernier truc. Ça passe, ça passe. Tranquille, chill. Ça me ferait rire de lui prendre son organe par contre, voir ce qu'elle fait. En mode, mais il est où? On est chill, on est chill. Ah c'est marrant, elle fait pas le truc si t'as trop avancé, elle fait pas, elle a pas fait le truc qu'elle avait fait avant. Ça c'est drôle. Débile. Allez, là-haut. Je vais me mettre tout à droite. Mais pourquoi il fait ça? Faudra qu'on m'explique, hein. Il va pas vers l'eau. Vas-y, décale-toi à droite là. Vas-y, on peut plus. J'ai le verso le plus débile de la Terre pendant quelques instants. What the fuck? Là, c'est pas fini. Si c'est comme ça, c'est qu'elle peut monter dedans. Là, je suis un checkpoint là. Passe pas un mauvais moment. Aïe. Je pensais pouvoir gérer. C'est embêtant, hein. Ah ouais, non, ça marche pas du tout en fait de faire ça. Vas-y, viens. Encore? Cette portée de merde! Ça c'est relou. Ah ça va. Ok. La portée est pourrie! C'est horrible! Vas-y, venez. Viens, je t'attends. Faut attendre qu'il t'aggro un peu, sinon t'es pas à la bonne portée. Ça va pas cliquer. Je me vénère. Oh, je me vénère.
Martin de ses morts. Allez, hop, 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 Véronique. Il y a une planche là, il y a une planche spéciale. Sympa ici. Quoi? Ça a fait quoi là? Mur invisible, hein? On en parle ou? Ok. Ah, super. Ah, ouais, il y avait un mur invisible en tout cas, c'est sûr. Donc, je me mets en haut, si tu te mets en bas, t'as un mur invisible. Tout va bien. C'est notre pote là-haut! Je crois bien. On va pas le tuer là. C'est bon. My friend! Oh là là! Là! Piti piti! Tu as bien avancé? Bah ouais, ouais, on essaye hein! Ouais, c'est celui au-dessus du mien, je crois. Et du coup, quoi du plus? Oh. Continue. Allez, viens mon ami, prends-moi la main. Oh. Oh. Est-ce qu'on a fini l'école? Ce serait bien. Je suis sûre que la vieille va nous poursuivre encore. Je crois qu'on a fini l'école, les gens. Oh my god. Oula. Bon. On y va? On va sur le piano? Une manivelle. Bah tu le branches et ça fonctionne, Manu. Il n'y a rien de spécial à connaître pour utiliser un gâteau. Tu branches les fils aux bons endroits et c'est bon. Tu fais bien attention à ce qui est entrée et sortie. In c'est l'entrée, out c'est la sortie. Et voilà. Je pense qu'on va sauter dessus. Tu fais exprès ou quoi? Ah oh, mais il saute trop tard. Et enjoy du coup. Ma foi. Oh le bruit. Le bruit qui fait peur. Oh, fais-moi la courte échelle. Attends.
Tiens. Alors, je suis beaucoup mieux avec mon pro. Enfin, ça va beaucoup mieux. Mais on fait bien attention à ce qui est entrée, sortie. Ensuite, t'as un logiciel et tout. C'est vraiment très facile d'utiliser un. Un même gâteau, il n'y a pas de souci. Ah, je vais passer en dessous là, attendez. Viens là. Non? Si. En vrai. Voilà. T'auras peut-être encore un peu de latence. Hein, parce que la meilleure non-latence, c'est dans l'ordinateur. Je sais pas si c'est une carte dans l'ordinateur que t'as pris là. Non, je crois que c'est... C'est comme moi, un boîtier externe. Ou plus. Ouais, je crois. Bon, c'est un ordinateur, pareil. Tout sera expliqué, t'inquiète. Et le gâteau fait en sorte que... Que tout soit tout à fait accessible au plus grand nombre. L'idée c'est que c'est de permettre au plus grand nombre de streamer et d'utiliser leurs produits. Donc y a pas de souci. Ah. Faut que j'aille en scrap. J'avoue. Je sais pas ce qui est le pire, hein, les mannequins ou les petits bonhommes. Les mannequins c'est pire. Les mannequins c'est vraiment l'enfer. En vrai. On goûte tabassé. Bon, j'ai raté. J'ai totalement raté. Mais on passe pas un mauvais moment. Mais enlève-toi que je puisse le taper. Putain, mais je peux vraiment pas viser correctement avec ce truc. C'est insane. C'est l'un ou l'autre, quoi. Encore un peu? Et là, c'est direct à côté. Bon, ouais, fuck. J'ai envie de dire. Viens, on s'en va. Tu as nous streamer quoi de beau, du coup, Manant, comme jeu? Dis-moi tout. On est plus censé être à l'école, hein? Mais ce serait peut-être une école de musique, peut-être là. Ce serait peut-être un conservatoire. Vu qu'il y avait un piano, on entend de la musique. Enfin, un style de musique. La musique s'est arrêtée, tout va bien. C'est vrai que c'est la même prof qui fait musique. Quel enfer. C'est pour qu'ils viennent aider. Vas-y. C'est les bonnes. Du coup, je vous redis, les gens, on joue encore une heure à ça et ensuite on part sur le Gartic Phone. Ce sera la découverte pour mon chéri. Et on jouera avec les gens avec qui on joue d'habitude, bien entendu. Si vous avez manqué le début de Little Nightmares. Oh, c'est la même, j'avais raison. C'est dispo sur. Sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller faire un tour. Au secours, quoi. Que j'ai vraiment envie de faire quelque chose ici. J'en peux déjà plus. C'est la même prof. C'est la même prof. Ah, et des fois, ça arrête, c'est ça le délire. C'est trop drôle. Mais dis pas qu'il me faut aussi le truc à droite. J'ai peur qu'il me faille aussi le truc à droite. Pour remonter. Ah, c'est ça. Putain.
Bon, je prends le temps qu'il faudra. Hein. Ça marche, Chris? Je sais pas trop, j'aimerais me lancer. Ah, mais faut pas aimer se lancer, faut avoir un jeu que t'as envie de partager. Parce que si tu veux juste te lancer dans le streaming, c'est bizarre en fait. Ça va foirer. Faut que t'aies un truc qui te tire à cœur, que t'as envie de partager. Ça n'existe pas, c'est pas un choix de carrière. Ce n'est pas une carrière, d'ailleurs. Surtout maintenant. Ouais. Faut avant tout que t'aies quelque chose que t'as envie de partager. Si t'achètes un gâteau sans savoir ce que tu vas faire avec, c'est un peu... Ah. Ma foi. C'est dégueulasse. Tout va très bien. Regardez-le! Il va jusqu'où son coup? Oh, on a réussi. En tout cas, amuse-toi bien avec. Je suis sûre que tu auras envie de faire plein de trucs une fois que tu l'auras. Le champ des possibles est vaste. C'est ça qui est cool. Oh là là, je crois qu'on a fini l'école. Une bonne chose de faite. C'est trop beau. C'est trop cool. C'est trop parfait comme jeu. C'est Tanka. Bienvenue les gens. Vous sentez que ça va craquer là? Oh putain, je vais faire une photo là. C'est trop beau. Lucas 10. J'enlève ma tête là. Regardez-moi ça. Comment c'est trop stylé! Sérieusement! On va faire une petite pause ici d'ailleurs. Du coup, on a à peu près 40 minutes devant nous. Pour continuer ça, je trouve ces décors magnifiques. J'en fais une, tiens. Hop! Ce sera, je pense, la miniature de ma deuxième session. Il nous en faudra 3, je pense, des sessions ou 4. On verra. Petit jeu du plaisir, donc on. On s'embête pas. On fait comme ça vient. J'aurais joué plus longtemps ce soir si j'avais pas eu d'Arctic Phone après. Obviously. Ça va, monsieur? Il n'y aurait pas un chapeau à côté de lui? Ça reste pas un chapeau. Putain, on aurait bien des chapeaux qu'on peut récupérer. Vous ne trouvez pas? Il rend quoi? D'ouf. Là, si je vais dedans... Faudrait voir à pas tomber quoi. Parce que là le problème ça va être que ça va se fermer. Je pense qu'il faut que je l'aide. Attends, vas-y. Faisons ça. Je suis peut-être. Pas ouf, hein. Mais ce caillou on peut pas l'enlever là, hein. On peut pas. Je pense que j'ai juste mal fait les plateformes là. Ah ouais, redescend direct. Il ou elle d'ailleurs. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut pas décaler plus? Non, on peut pas décaler plus. On peut décaler plus par là. Ah, on peut refermer! Mais oui! Oui, monsieur! Ça devient tout de suite plus intéressant! Ça va pour l'instant en 2h30 de jeu, du coup, si on compte la dernière fois. J'ai pas eu trop de galères à trouver ce qu'il fallait faire ou quoi. Il y en a eu. Une ou deux, mais ça va, c'était pas genre en mode putain, mais qu'est-ce qu'il faut faire? La question s'est posée, quoi, mais ça allait. Je vois bien un chapeau ici. Ah non, c'était un Jean. C'était presque un chapeau.
Alors, on arrive. Qu'est-ce que c'est? C'est rien? Ah si, c'est quelque chose. Dude! Le Kawaii! Le Kawaii du premier! No way! Du coup, attendez, ça veut dire que la personne qu'on a sauvée, c'est le bonhomme du premier? Ou pas? Parce qu'après, dans le premier, la fin était space, hein. De ce que je me souviens. Faut pas la spoiler s'il y a des gens qui vont la refaire, mais... Moi, j'avais trouvé ça space. Là, le chapeau. Comment le chapeau? Non. Putain, il veut pas le chapeau. Je peux monter par curiosité. Ah, je peux. Je peux sonner la cloche du coup. Oh, oui, je peux. Et là, la vieille qui revient. Elle est aussi couturière. Quelle vie. On va arriver au mannequin. C'est pour m'indiquer qu'on va arriver au mannequin, ça. Je pense que dans les succès, j'ai vu que c'est la zone qu'on a déjà faite en preview, c'est celle d'après, normalement. Si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que les PC peuvent jouer avec les PS4 sur ce jeu? Je savais même pas qu'il y avait de la coop. Du coup, écoute, j'espère que quelqu'un dans le chat pourra te répondre. En tout cas, salut à toi, Alpha B-Boy. L'histoire du 2 est avant le 1. Ah ouais? Ah. Attends, j'ai coincé Giorgio. Giorgio! Giorgi! Viens là! Allez! Du coup, je sais pas, Alphas, si quelqu'un peut répondre à sa question. Du coup, en fait, on peut jouer à 2 dans le jeu? Attendez, je check parce que ça m'intrigue. Je n'avais pas l'information et ça m'intrigue. Hop. Je mets la page Steam. Paf, paf, paf. Un joueur. Bah non, il n'y a pas à deux du coup. Oui, tu peux jouer à deux. Putain, c'est écrit un joueur sur Steam. C'est ouf. Regardez. Je vous montre. Paf. Un joueur. Chelou, hein. Chelou, chelou. En vrai, c'est assez logique parce que du coup, pour jouer à deux, il y aurait des phases où ça n'irait pas. Bon, on y va là, on fait quoi? Pourquoi ça marche pas? Peut-être que je tire pas comme il faut. Attends. On a un problème, Georgie. C'est vrai que ça fonctionne pas. Peut-être si je t'accroche toi. Pourquoi ça me veut point? Qu'est-ce qui nous manque? Je pense pas qu'on ait d'autres éléments. Mais c'est un kawaii. Tu vois que c'est un kawaii? Le fameux que tu peux faire en... Le kawaii que tu peux replier pour que ça fasse une banane. Avec l'espèce d'élastique multicolore là. Item Matter 2 n'a pas de multijoueur. Ah voilà. C'est bien ce que je pensais. Du coup, t'as la réponse. Il est peut-être parti depuis le temps. On a passé 4 jours à lui répondre. Mais un mode coop. Ah, il y a bien un mode coop, d'accord. Mais il n'est pas écrit sur PC. Bon, nous on a un autre problème là, plus urgent. De type. Ça ne veut pas. Est-ce que je fais bien ce qu'il faut? Arrête, hein. Il va me manquer quelque chose, attends. C'est pas possible. Pourtant, ça a l'air ultra simple. C'est forcément que juste ça foire. Attends.
On va faire ça, ok? Juste par curiosité, ça se trouve c'est juste un petit bug. Ça peut. Ou c'est moi qui ai juste mon cerveau qui bug. Ça peut aussi. Nous verrons bien. L'un comme l'autre. Voilà quoi. Je pense qu'il faut que ce soit moi qui prenne en premier, en tout cas, surtout. Vas-y. Voilà, c'était un bug. C'était un bug. Attention, hein. T'as de la chance qu'on a l'habitude des jeux, hein. Imagine un joueur qui reste bloqué une demi-heure comme ça. C'est un câble. Oh, on arrive à l'hôpital, on arrive à la zone que je sais faire. Du coup, on peut peut-être la finir d'ici 20h. La zone que j'ai fait en preview, je pense, hein, parce que là, il y avait un lit. On me la fait pas. C'est ça. Ça sentait un petit peu le bug, hein, en termes de level design, il n'y avait pas de raison qu'il y ait autre chose. On a fini l'école, c'est écrit derrière moi. C'est la coop avec l'IAP avec un autre joueur. Écoutez, en tout cas, sur PC, c'est pas marqué coop, c'est vrai. Oh là là, c'est bon, on arrive à la zone que j'ai déjà faite, qui est très dure, je trouve. À cause des mannequins de ces morts, qui sont horribles. Mais, la bonne nouvelle, c'est que je sais ce qu'il faut faire dans cette zone. Donc, on peut la faire d'ici 20h. Et du coup, avoir un peu step-up dans le jeu, quoi. Je veux dire, à partir de quand ce sera... En fait, j'avais eu la chance, en fait, grâce à l'éditeur, de pouvoir faire, en fait, une preview. Au moment d'Halloween. Ce que j'ai trouvé très intelligent de leur part, d'ailleurs. La petite preview pendant Halloween. Waouh, c'est trop stylé, ça. J'aime. C'est ça, Musica. Et on va pouvoir savoir ce qui se passe après, en plus. Attendez, c'est un kawaii ou un truc, une cape avec qui donne des super pouvoirs? Ça va là? Ezio là? Ezio Auditore! Du calme! Oh! Vous savez que, du coup, comme ce week-end, j'étais full jeu de société là, dimanche, je regarde ce qu'on avait et tout, et j'ai un jeu qu'on n'a jamais joué avec Jerry, que mes parents m'ont offert, qui s'appelle Apéro Geek et tout. Enfin, tu vois, déjà geek, c'est un peu mal. Ok, super. Et en vrai, c'est trop bien. C'est comme un Time's Up, mais que avec nos références. Hein? Toi-même, tu sais. Genre les Marvel, genre les jeux vidéo, genre tout ça, en fait. Que des trucs comme ça. Et du coup, c'est grave bien. Genre, imiter, je sais pas, du coup, faire deviner en imitant Sonic. Tu vois? Des trucs comme ça, en fait. Du coup, c'est grave cool. Salut, Charlize! Salut, salut. Ah bah ils ont pas changé ça. Hein. Est-ce que c'était une bonne idée? Je sais pas si c'était une bonne idée de prendre ce truc, mais bon. T'as pu voir la rediff ou pas du début? Il est trop bien le jeu, Charles. Trop trop bien fait. Pour moi il est vraiment au-dessus du premier qui était déjà très très bien. Mais large au-dessus en termes de qualité de level design. Et de visuel. J'étais persuadée que c'était mon perso qui était passé. Espèce de biais qui faisait qu'en fait, j'étais persuadée d'être le personnage avec le kawaii. T'as un petit biais cognitif là. Let's go, my friend. Trop bien, trop trop bien. Ah, je me demande, je pense qu'on a le temps de faire toute la partie de l'hôpital. D'ici le 20h, ce serait parfait. La question, ça va être le passage des mannequins de ces morts. Vraiment. Oh, quel enfer. Ok, relève-toi. En fait, c'est comme ça que je me suis fait avoir. Hop. Non? Oui? Ouais, en fait, j'avais fait la preview, comme je disais à l'instant, pour Halloween, Charlie, ce qui était justement dans cette section. Dans l'hôpital. Yop, Minito! Du coup, on devrait connaître la suite. On vient de faire un passage bien chaud. Après, je dis ça, mais pour l'instant, je connais pas du tout. Hein. On a fait un passage bien chaud sur un... Ah bah oui, lampe torche. Dans l'école, là, déjà?
Oh, il tient la main, ça c'est mignon. Un peu quand même. Suivons les traces de sang, c'est sans doute là qu'il faut aller. Allez, c'est logique. Oh, les mannequins. Peut-être qu'ils ont rendu moins chaud. Si on va à travers, c'est pas grave. Hein. On a déjà fait deux fois les mannequins. Donc il n'y a pas de raison. C'est fermé. Oui. D'accord. Petit peu badant quand même. Petit peu un chouïa. Un chouïa badant. Du coup, ça me fait plaisir, Comoros, que tu sois là et que tu suives les gens qui ont suivi sur Valheim. Ceux qui restent, ça me fait très plaisir. Vraiment. Je veux absolument choper ça. Je sais pas c'est quoi, mais... I need it. On a une canette, mec. Vas-y, viens. Je sais pas à quoi ça sert, mais on y va. Ah bah. Ça tombe bien, non? Paf! Ah ben voilà, c'est à partir de là que je connais. Enfin, pas ça, justement. Parce que ça, c'est un passage type du jeu. Je vais d'ailleurs, hop, mettre comme ça. Trop bien, par exemple, ce jeu. De ouf. Comment on va, il est aussi frame que le premier. Beaucoup plus, pour moi, que le premier. Question de point de vue, hein. Mais pour moi, il est plus effrayant. Là, je dois faire un réglage, comme ça, là. Hop. Ok. Putain, il y a combien de réglages? Voilà. C'est badass ou pas? C'est grave badass. Oh, c'est totalement différent de ce dingue. Les dettes de faire des RFT, c'est très bizarre. Attends, moi, c'est marrant comme mes rêves correspondent à ce que je fais dans ma journée, tu vois. Hier, j'ai passé l'après-midi à jouer au jeu de société avec Jerry. Du coup, j'ai fait un rêve où on faisait de la coop. De sec. Genre, on devait récupérer des pièces, des machins. C'est important, hein. Ça joue sur la qualité de ton sommeil. Et c'est là que démarrait la prévue que j'ai faite du coup au moment d'Halloween. Donc je la connais, mais c'est pas pour ça qu'on va aller vite. Hein. Je vous dis par contre, j'ai très hâte de voir ce qui se passe après. Parce qu'on arrivait, il y avait un gros bonhomme. Du coup, attendez, je me mouche et on y va, ok? Je dois me moucher. Hop. Let's go! Après. Du coup, je redis d'ailleurs, attendez. Je remontre parce qu'il faut que je vous parle de quelque chose. Ah non, je l'ai plus. Mais Seven Wonders Duel, meilleur jeu de société ever. À deux, du moins. Bonjour, je suis jamais allée là. Alors, ça, je connais pas du tout. Je connais absolument pas. Attends, ça veut dire que la bulle que j'ai faite, c'était un truc spécial? Je suis allée foutre à l'endroit que je connaissais pas. Pire idée, en fait. Catherine. Oh, bah voilà, oui. Je sais que mamie fasse un petit feu de bois et ça va mieux. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y avait chez mamie? Oh, c'est sympa! C'est juste affreux, en fait. Enfin... On est vraiment rentré là dans un four crématoire quand même. Oh. C'est glauque sur 20. As fuck. Je pense que je pouvais choper un chapeau si je cramais pas le truc en fait. Mais d'avis que c'est ça. Waouh. Attendez, du coup, attends, on va faire un truc. Juste pour voir. Peut-être on peut le chauffer. Je pense qu'il faut rentrer avec mamie avant qu'elle crame.
si possible. Mais peut-être qu'elle a déjà cramé là. À mon avis, ça a save. Ah ouais, non, c'est mort. RIP. Wow! Vénère hein, comme truc. Pff. Quand même, hein. Comment tu vas, Terrine? Tu sais que Kumro, ça a adopté des loups qui le suivent partout. Bon, il n'en a plus qu'un. Parce qu'il en a trois qui sont attaqués à un kraken. Il est trop bien. Franchement, il est trop, trop bien. Trop, trop bien. Oh, attendez, je vais faire ça. Quoi? Putain, mais attends, remets-toi là. On veut voir ce que ça fait. Oui! Oui! Regardez! C'est drôle, non? Excellent. J'aime beaucoup. C'est Katniss! T'as Rinel, non? Ou c'est une coïncidence que je connaisse quelqu'un qui a un pseudo qui est Katniss? Et pas Zelda est dedans, à la base. Il me semble. Est-ce que t'as Rinel? Ou est-ce que c'est une coïncidence? Y'a un ours! Voilà. C'était Freddy. N'y aurait-il pas un chapeau là-haut, en fait, toute cette zone? Non, du tout. C'est vrai? Trop drôle. Eh ben écoute. Bienvenue en tout cas. Très bon pseudo. Ceci étant. Allez, vas-y, monte. Personne a du mal avec ça. Hein. Inutile. Non, je pense pas. En fait, tu peux apprivoiser ceux qui ont un nom. Tu sais, qui ont un. Pardon, un label qui dit. Apeuré, effrayé, tout ça. Tu vois? Tu vas chercher loin. Hein. En vrai, tout est possible avec un jeu indé. Ouais, c'est ça. Pour moi, tu peux apprivoiser que cela. Enfin, je peux me tromper. Hein. Bon! Attends, mais il a quoi dans les mains, lui, là? Ne serait-ce pas la lampe torche? Mais qu'est-ce que c'est qu'il avait dans les mains? Mais c'est un petit ours! Mais c'est mignon! Pourquoi il avait un petit ours dans les mains? Ou alors c'est la tête d'un truc, mais du coup c'est beaucoup moins mignon. Bon allez, let's go. Du coup je connais normalement ce qu'on va faire là. C'est pas pour ça qu'on va être bon. Comme ça on aura bouclé jusqu'à... Je redis, hein, du coup avec ceux qui sont arrivés en cours de route, en gros, là la zone qu'on va faire là, c'est celle que j'ai faite en preview à Halloween. L'éditeur m'avait permis de vous streamer cette zone-là. Voilà. Donc là, ça va me dire... Mais... Voilà. Let's go. C'est parti pour s'amuser avec les mannequins. C'est parti. Oui et non, parce qu'on n'a pas, les... les petites... trucs. Il doit dire que ça... Attendez. Réfléchissons 3 secondes. Par ici. Par ici, on a une clé. Ok. Soit. Ok. Je pense qu'il faut vraiment faire un truc du côté de. Ça se trouve, l'endroit où j'ai dit ouais, mamie, machin. Il doit falloir faire un truc. Ici, on n'a pas de jauge. À gauche. Si j'ai pas de bêtises. Pourquoi elle fait des glissades comme ça? J'arrête pas de dire elle. Allez, let's go. Bon appétit, Olivius. Tu reviens à 20h, hein. C'est à 20h, hein, le Gartic. Hein. Pas une minute de plus. Attention, hein. Ok, là, il avait pris un truc. Tac, tac, bam, ok. Je vois pas. Pourquoi il prend des jouets tout seul? Quel est le fuc? Là, j'ai pas d'utilité à venir ici. Cette pièce me paraît pas... Non. Non, non. Tu veux peut-être passer derrière voir s'il y a un truc dedans? Je sais pas. Non. Bah écoute, tu seras pas pris du coup. C'est ce que je te dis. Ah mais ça se trouve, il va y avoir la clé dans l'un des jouets. Genre on fait cramer le jouet. Imaginez. Oh, ça doit être ça. Go, vas-y, balance là-dedans, là, vas-y. Pour voir. Vas-y. Donne-moi, en fait.
Ah, c'est ça. Je pense que c'est ça. Hop, donne. Et mets-le. Ah, je pense que c'est ça. Crois pas que c'est ça? Moi, je pense que c'est ça. Et à chaque fois, il nous montre qu'on peut avoir un jouet pour. Je pense que c'est une indication en fait. Je vais quand même essayer d'aller dans un autre. Écoutez, je ressors. Du coup, ça veut dire qu'il y a un jouet que je peux choper et que je peux cramer. Je vois bien ça. Comme quoi, finalement, c'est pas le passage que je connais. On n'y est pas encore. Finalement, il faudrait qu'on déjà qu'on ait la clé. La clé. Ok, ok. Let's go. Oh, d'où les rayons X? Vas-y, viens, viens. D'où les rayons X pour savoir si dans le jouet, il y a ce qu'il faut. Oui, il y a quelque chose dans lui. Mais c'est pas la clé. Punaise. Ok. Donc là, je peux prendre un truc, tac. Et on va voir. Je pense qu'il faut faire cramer un ourson. Je vois bien un ourson, je vais pas vous mentir. Oh, le jeu a fait exprès de nous donner une petite indication en fait. Là, il n'y a rien par exemple. Ok, ourson. Viens la télé. Il est dégueulasse cet ourson. Après, je ne juge pas les oursons. Hein, mais... Quand même, j'en ai eu un nouveau moi. Hier. Dimanche 14 février. Ouais, ça n'a pas du tout l'air... Ok. Un autre. Celui qu'on a fait tomber de la table. Vas-y, viens. Pour moi, c'est un ourson, c'est sûr. C'est dans un ourson qu'il y a le truc. Je vois que ça. Après, l'autre, il a un truc dans le bide quand même, hein, le petit jouet. Mais j'y crois peu. Oh, comment... Il a mis à chasser, là, où j'ai... Oh, il y a des choses, là, dans cet ourson. Il y a des choses. J'ai envie presque de le tenter. Il y a quelque chose en tout cas, vas-y viens. On y va. On va avec lui. Ça me fait rire en vrai, c'est trop bien. C'était creepy dans le jeu. Voilà, il nous reste que 20 minutes là. Let's go. Ah, je pense qu'on va pas avoir le temps de faire le passage que je connais du coup. Let's go. On va voir. Alors. Hop là. Ok. Vas-y, mets-le dedans aussi, non? Hop là. C'est gentil. Plutôt fort aimable. Y a-t-il une clé? Pas du tout. Ça n'a rien donné. Nous sommes déçus. Ok, let's go. Troisième ourson. Moi, je vais vider la salle de jeu, hein, je vous le dis. Je crame la salle de jeu. Ils auraient dû me donner une allumette. Ça aurait été plus vite. Je me fais harceler par des numéros pour vendre des trucs en ce moment. C'est horrible. C'est l'enfer. Depuis quelques mois, là. Je sais pas vous, mais moi, c'est tout le temps. Insupportable. Allez, viens là. On en prend deux autres, c'est parti. Il a pris un chevreuil. Tac. Vas-y. Va dedans. Oh, la clé là. Je l'avais dit que ça allait dans un ours. C'est parti. Pimpin, c'est parti. En vrai, j'aime trop. J'aime trop que ce soit dans un ourson, la clé et tout. On est passé de... On est dans un four crématoire et c'est pas ouf. Ah, c'est rigolo quand même, en fait. Non? Un peu. En vrai. Finalement. Regarde, sur le... au mur, la radiographie est accrochée. Ah, c'est vrai, j'ai pas fait gaffe. Je vais regarder juste après en montant. Du coup, ça doit te plaire, ça, Soud. Toi, le fan de Phasmo. Regarde, paf! Pimpin... Fini.
Et ce bruit. J'ai la clé. J'ai la clé. Excellent. Je regarde. J'avoue que je suis jamais tentée. Ah, c'est vraiment cool. Est-ce que tu n'as pas vu la première session? Du coup, tu n'as pas vu le début? Là, on va s'arrêter à 20h. Du coup, tu auras encore de quoi bien découvrir. Effectivement, il avait raison, Soudre. Regardez là-haut, l'ourson a la clé dans le bidon. C'était indiqué. Mais bon, c'est évident que ça allait être dans les oursons. De toute façon. Ouais, d'accord. Ah, c'est où qui fait une clé du coup là-haut, hein. Il a levé le bougre. Exactement. Et le bon. Ouais, je dis Soud, d'ailleurs, on refera peut-être une session multi sur Valheim dans la semaine. Je sais que Neil l'a pris aussi. Et on pourrait se faire peut-être apprivoiser les bestiaux qu'on n'a pas apprivoisés et tout ça. Dans tous les cas, t'aurais tout cramé pour trouver. Là. Ah voilà. Ah, on arrive à un moment sympa. Je bois un coup, on y va. J'arrive et j'entends que Soud a raison. Je préfère repartir. Voilà. Ah, Fuego! Oh, tu m'aides! Eh, Georgie, là? Ah, c'est pas là, ok, je comprends. J'avoue que du coup, ça se comprend qu'il m'ait pas aidé. Mais quand même, hein! Quand même! Aide-moi! Ah, tu veux me faire la courte, non? Je veux la courte. Paf! Hop! Petite caisse, petite caisse, pas de petite caisse. Oh, c'est solo ce passage? C'est solo ce passage? Non, c'est après, ok. Oh, ça y est. Ok, ok, au secours. Tout va bien, tout va bien. C'est pas solo. Voilà, c'est le passage que j'ai déjà fait. Mais ça m'enchante pas plus que ça. Tu sais, normalement, quand t'as déjà fait un truc, t'es en mode bon, ça passe. Tranquille. Absolument pas. On pourra pas le faire en entier. C'est dommage. On reprendra sur un bazar ultra dur en plus, du coup. Ah! C'est la chose, exactement. C'est lui-même. Trop pas, ouais. En fait, j'ai amené ça jusque-là, mais je crois que ça sert à rien. Pourquoi, en fait? On a passé un bon moment, en tout cas. Moi, j'ai bien aimé traîner cette caisse. Je me rappelle que, quand même, j'ai dit juste avant, « Ah, j'ai déjà fait, hein. » Ah, cours! Cours! Ah! Ah, pareil, cours! C'est bon, c'est bon. Je sais plus. Cours quand même! Voilà. Le petit chien. Ah! Non, non, non. Nick. Est-ce qu'on a le checkpoint, du coup? Vraie question. Mais d'où il a pu me suivre? Ça n'existe pas, ça! En fait, on peut leur taper des esquives à eux. C'est ça la différence. C'est ça qui est bien. Oh, vite, 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 vite. Ah, c'est bon. Cours! Ça faisait pas ça dans la prévue que j'ai fait. Il suivait pas. Pourquoi j'ai fait ça? C'était pas obligé.
On passait un bon moment. Allez, hop. Oh, je t'ai fait ski, je t'ai fait ski. Allez, allez, allez. Tu vas dans le trou, là. Tu vas dans le trou, tu cherches pas. Tu cours. Ok. Good. Chut. Ok, on s'en va. On s'en va, on s'en va. Mais oui, c'est la chose de la famille Adams. C'est ouf. Bien sûr. Ok, ok. On continue, on continue. Ding, 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 ding. Oh, secours! Oh, secours! Tout va bien! Tout va bien! Ils ont refait le level design. Enfin, ils ont adapté un petit peu le level design de cette zone, j'ai l'impression. C'est peut-être moi, hein, mais. Oh là, vas-y, viens! Viens, je t'attends! Boum! Ok. Tiens! Vas-y, viens! Deux fois, il y en a un but normalement. Vas-y. Tiens! Vas-y, reviens encore. Boum! Oui, il s'est pris le carton. Ça fait plaisir. Attendez, attendez. Oui, du coup, c'est la première lumière. La plus simple, en vrai. Vas-y, ça me saoule. Ok, ça, on le vire. On va casser la vitre, là. Cette vitre. Et ben, on aura fait la première lumière. C'est déjà bien. Avant l'horaire susnommé. C'était déjà pas une mince affaire. Du coup, prochaine session. Bah, pas demain, du coup, parce que demain, je fais giga session de Valheim, comme prévu. On fera... On continue à streamer, hein, les gens, mais on va streamer autre chose. C'est juste ça. On fera la suite de ça. Tu te souviens? Oh. L'échec critique. On parle juste après du programme, hein, du coup. Hein. Oh, elle marche sur du verre, ça fait mal. J'y ai à chaque fois, je sais pas pourquoi. Elle. C'est pas par là? Par là? Hello? Allez, viens. Arrête de faire des bêtises. Ok, bah mam, là il en faut deux, ça nous intéresse pas. On va ouvrir l'autre côté. Et on est dans les temps. Trop bien. Il y a un mini-jeu du coup. Ce sera une deuxième session qui sera rediffusée comme la première sur mon YouTube classique, pas secondaire. Paf! Ta-da! Voilà. Alors là, c'est un vrai bonheur. Après, on peut le tenter en first try. Hein. Gros rush, tout ça. Ah, si je reprends et que ça, on en est pile au moment relou, ça va être rigolo. Et ça va exactement être ça en plus. 100%. Ça, c'est la fin de la zone. Vas-y, on a encore 5 minutes. Let's go. Salut Gabi. Parce que du coup, je vous redis, mais en fait, là, on va aller sur Gartic Phone. Demain, Valheim. Du coup, je sais pas quand est-ce qu'on continuera Little Nightmare. Ce que je sais, c'est que c'est compliqué. Donc là, il va avancer, du coup. Okay, il avance vers moi. C'est ça le délire. En fait, il avance vers moi dès qu'il fait nuit. Voilà. Vas-y.
Voilà, et c'est pour ça que c'est chaud comme passage. Parce que diriger la lampe torche n'est pas chose aisée. Voilà. Parle-moi pour comprendre le 2. Non, absolument pas. Pas de souci. Aucun problème, tu peux faire le 2 directement. Sans problème. Oh, si on arrive à passer le passage des mannequins avant la fin là. Je vous avouerai que ça me ferait plaisir. Parce que je le trouve vraiment particulièrement affreux. Il y a un passage en fait. Qui est chaud sur moi. Ah, mais c'est trop chaud parce qu'en fait, pour diriger la torche, c'est insupportable au stick. Let's go. Peut-être que vous avez vu, il faisait pas comme comme il faut, quoi. Là, si je veux faire là-bas, je sais pas comment je dois. Ouais, ça. Je sais pas éclairer au fond, par exemple. Vous voyez? Parce que pour éclairer au fond, faut que mon verso soit dans le bon sens, tout simplement. Ok, bien joué. J'ai wellplay là-dessus. Well 100% lui il bouge. Mais si lui à gauche il bouge, on est mort. Juste ce passage, Gabi. Je connais juste ce passage parce que je l'ai déjà fait. En preview. Et c'est pas le pire passage en plus, avec les mannequins. Ok, allez. Je fonce. Ok. Ça, c'est ok. Ok. Et là. Pas dégueu. Pas dégueu. Absolument pas dégueu. Yeah! Déjà, ça, deuxième try. Cool. Vraiment horrible à faire comme truc. Ça fera déjà un passage de fait. Je pense qu'on va aller dans la zone des WC, on va s'arrêter là. Je sens que la zone des WC a... Voilà, là on arrive dans la zone des WC. On peut tenter le rush ici. Hein. Ça en fera un de fait, il restera plus que celui de la salle principale. Mais ce sera une reprise horrible du coup. Mais bon. Là je vais me faire choper je pense. Je l'ai touché. Je l'ai mis, je l'ai mis. C'est frustrant. Je l'ai mise la torche. Pour moi, je l'ai mise. Après. Voilà, voilà le genre de passage assez sympa. On passe un bon moment. Oh man. Allez, on donne tout. Si on pouvait passer ça, ça me ferait vraiment très plaisir. Je rush. Ok, comme ça. Ok, je suis dessous. Ok.
Wow, second try. Si vous saviez comme ça me fait plaisir. Wow. Et on arrive dans cette salle où normalement c'est assez ok. Et ben on va s'arrêter là. Parce que celle-ci est moins relou. Wouh. Merci beaucoup, Harry. Ah, c'est gentil. Oh, je l'ai fait. Oh, j'ai presque envie de trahir l'autre truc. On a presque le temps. Il est 54. Oh, attendez, le délire avec ça, c'est... Ouais, déjà, on va prendre une savonnette et on va... Hein? Hop. Bien, normalement, c'est d'attirer Abandon. Ouais, faut désactiver la lumière. Ouais, je pense qu'on va se laisser ça pour la prochaine fois. Là, j'ai déjà fait un passage bien chiant. Il en reste un du truc avec les mannequins. Du coup, ça va. On reprendra là-dessus. Je suis très contente d'avoir fait ça. Du coup, comme ça, on a déjà un petit... Vous avez un petit aperçu de pourquoi les mannequins, j'aime pas. Merci beaucoup, en tout cas, Harry. 8e mois de sable.